Bonjour la France sur Europe 1. Vous avez entendu parler de ça? Bon, ça c'est pas sorcier. Allez donc Daphné. Je fais très mal le camion, dis donc. C'est alors, c'est pas sorcier, mission scientifique, fantastique sur le service public. Bon, ça, c'est fini. Mais on n'arrête pas le progrès scientifique et technologique. Après le Minitel, on va bientôt dire adieu, vous le savez peut-être, à quelque chose qui, avant l'arrivée de l'Internet et du téléphone portable, faisait partie de notre quotidien. D'ici la fin de l'année, ça y est, c'est acté. La plupart des cabines téléphoniques seront débranchées. En 2018, il n'en restera que 350 en service. Pourquoi ? Uniquement pour les zones où le téléphone mobile, justement, ne passe pas. Et vous vous souvenez des joies de téléphoner en cabine, l'achat des cartes de téléphone au bureau de tabac, faire la queue dans la rue, le parfum, le petit fumé, vous savez, là, dans le, dans la cabine. Et puis le monsieur qui tapait sur la vitre en regardant sa montre, vous étiez un peu long, hein. Et puis c'était très difficile, on peut le dire, de faire un selfie quand même dans une cabine téléphonique. Bon, bref, nous avons un défi pour vous, chers auditeurs. Si vous habitez près d'une cabine, encore en service, rendez-vous à la cabine, allez-y, et appelez-nous au 3921 pour partager une dernière fois l'expérience de la cabine téléphonique avec Bonjour la France. Europe 1.